Depuis le fond des âges, la magie habite tous les cœurs, de l'homme et de l'animal, du végétal et du minéral. Bercés par l'univers, nous sommes frères et sœurs, issus du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Nous célébrons chaque jour l'abondante nature, honorant ses cycles, d'Esba en sabbat, les 13 pleines lunes aux rayons si purs, solstice, équinoxe, fête d'amour et de joie. Ayul et Lita, l'hiver et l'été sont célébrés. Ostara, Mabon, jour et nuit d'égale durée. Lugnasad, Belten, Imbolc, Samin, tant de réjouissances au divin festin. Car sous la blanche robe de la déesse lune, nous dansons, rions, festoyons, aimons, en harmonie avec le dieu des brumes dont les bois portent les rubans des unions. L'esprit, mais aussi le corps, iront vers la nudité. C'est que sans masque, sans fioriture, l'initié mêlera ses sens exacerbés aux puissances qui régissent la nature. En leur nom, sorciers et sorcières se réunissent, en leur couvent ou seuls, mais unis par la pensée, pratiquant la magie au sein de la sphère évocatrice, toujours dans le respect des lois sacrées. L'une d'entre elles est celle du triple retour. Ce qui sera fait sera rendu par trois fois. Gardons-nous donc de faire le mal, car un jour, tôt ou tard, cette simple loi s'appliquera. L'autel est gardé par le dieu et la déesse, représenté par le calice, l'atamé ou l'encens, le sel, la flamme du cierge, les fleurs en tresse. Et dans le cercle tracé, les gardiens sont présents. Invoqués pour servir l'œuvre de la magie, ils offrent la puissance des points cardinaux. Dieux et entités, humblement convoqués ici, unissent leurs énergies à celles des élémentaux. La magie requiert la connaissance de quatre piliers, qui furent enseignés à tous les initiés de naguère, quatre clés mystiques que Salomon nous a léguées: savoir, vouloir, oser, se taire. Alors, comme la merveille argentée trônant dans la nuit, comme l'astre rayonnant dans les cieux de nos jours, nous devons éclairer le monde en totale harmonie avec tout ce qui vibre dans le plus sincère amour. La volonté d'apprendre et d'oser mettre en œuvre tout ce que les maîtres nous enseigneront avec le temps ne pourra rendre nos vœux fertiles qu'en faisant preuve de grande humilité face à l'application de nos talents. Ainsi donc nous invite le credo des sorcières à communier avec la déesse et le dieu. Car la sagesse tient en ce simple vers: si nul n'est lésé, fais ce que tu veux.